Direction l'hôpital. C'est ça, direction l'hôpital. Test Covid, on est ravis. Alors les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. Comment vous dire que les tests Covid c'est comme un McDrive en fait. En gros les infirmiers ils viennent en voiture, ils te le mettent dans le nez et après tu peux partir. Le test Covid il est fait dans un parking en fait. Le test Covid il est fait dans un parking. Alors je ne savais pas comment. Alors peut-être que c'est vraiment des mesures pour que si jamais tu es contaminé, si jamais tu es positif au test à la Covid, peut-être que c'est mieux de les mettre dans le parking. Peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, on s'est levé très tôt. La seule chose qu'on a fait c'est se lever, s'habiller, se brosser les dents juste pour moi, pas toi. Oh putain, ok, merci, merci de le dire. Et on est à jeun, on teste Covid, on arrive en retard parce que c'était trop dur à trouver. Et après on enchaîne sur la salle de sport. Mais j'ai pas hâte de faire le test là. Mon t'as pas hâte le pot. Ah oui, ton nez va être... On va rentrer un truc dans le nez. Oh Tu fais quoi exactement là? Bon, on attend notre tour. On respire. Bon les gars, on est à la salle. Tu tires parfait. C'est trop beau, faut qu'on vous montre. Mais c'est magnifique. Pour info, ce qui est trop bien cette cascade, c'est que c'est pas comme les autres qu'on a fait là. Non, bah. Il n'y a pas de marche, il n'y a pas de randonnée. Bah si, il y a un peu de marche, il y a de la marche de maintenant jusqu'à la voiture. Voilà, en fait, tu arrives en voiture et tu te gares et tu arrives direct. Donc c'est trop facile, très facile d'accès, trop bien. C'est très beau. On leur montre. Regardez-moi ça, les gars. Une cascade. Alors après on a vu sur internet que apparemment elle coule plus, hein, c'est ça? Ouais, normalement quand il pleut elle coule plus, mais celle-là on a de la chance, elle coule pas mal. Il n'y a pas trop de touristes, il n'y a pas trop de monde, il y a de l'espace pour faire des belles photos, pour chiller, tout ça, donc c'est cool. J'ai
Bon les gars, on devait aller à une pâtisserie. On avait un petit creux, on cherchait une pâtisserie boulangerie absolument. C'est ça, et au final on n'a pas pu y aller parce que c'est fermé. Parce tout... qu'apparemment tout ferme tôt ici. C'est ce que j'allais dire, ouais. Tout ferme trop tôt, c'est trop chiant. C'est un peu chiant mais ça va. On est au rythme de vie local. Donc on n'a pas trouvé de pâtisserie du coup. C'est très passionnant ce que je vais vous raconter. On va aller acheter de la lessive et des sacs poubelles. Waouh. Ça c'est du vlog ça. Ça c'est de l'information ça. Donc voilà, let's go à Coxy Market. C'est ça, Coxy Market. Marché, non, non, Coxy, au final, pour ce qu'on va acheter, c'est on peut aller à Coxy. Ok. Avec ça. Ce sera tout. Je vais te mettre en haut. Pardon ? Ah, on va bien. On va très très bien. Vlog pas du tout glamour parce que les corvées obligent, hein. On n'a pas de machine à laver dans notre Airbnb, du coup on est obligé de venir dans une laverie. Et pendant ce temps, on va en profiter pour faire des montages, je pense. Ouais, du coup, en attendant, on va travailler. Ah, désolé les gars, là, on n'est pas sur un délire d'aventure hyper, hyper Koh-Lanta. On est sur des tâches quotidiennes d'un couple, les corvées quoi. C'est relou. Et même moi, je m'y colle. Non, en fait, moi, je tiens la caméra. C'est parti! Du coup les gars, donc on a pris ces petites pâtisseries. Donc moi c'est une pâtisserie songe, c'est ça? Au songe, ouais. Au songe, comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même bien terminé. Moi aussi. Franchement c'est vraiment bon. Et moi c'est patate douce chocolat. Pour moi patate douce c'est des frites, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, j'avoue. Bah c'est pas mal, ça va être riche en protéines. Vraiment bon. Première fois et j'aime beaucoup. Vraiment bon hein. Je suis un peu fatigué quand même. On a une journée... On est fatigué. Mais ça va. Mais c'est pas à cause de la journée. C'est l'accumulation. C'est vrai. Parce qu'on dort peu. On dort environ 5 nuits par jour. Elle est fatiguée. Elle a dit on dort 5 nuits par jour. Mais 5 heures t'abuses, toi tu mens de ouf. Elle ment. On se couche, par exemple, hier on s'est couché vers 1h, 1h30. Et on s'est réveillé ce matin. Bon, là c'était particulier, c'était à 8h, 8h15. Parce qu'il y avait le test Covid à faire. Donc on a dormi quoi? Quasiment 6h, 6-7h. Donc c'est pas beaucoup. Mais genre la nuit d'avant on s'est couché vers 1h, 1h30, on s'est réveillé vers 9h. Donc on a quand même nos 8h, 7h de sommeil. C'est juste que comme on fait beaucoup de choses dans la journée, ouais. C'est vrai que c'est très fatigant. Ouais. Entre monter, les activités, faut gérer nos vies et tout, non. C'est voilà, on part 2 mois mais on voit que c'est usant. Mm-hmm. Même les réels, c'est fatigant de monter tout le temps, faut penser à filmer. Après on kiffe hein, on va pas se mentir, on kiffe de ouf. Mais c'est vrai que c'est très très fatigant. Donc ouais. Ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, mais c'est beaucoup de taf, mais on kiffe, hein. On est à fond dedans et tout, et voilà quoi. On arrive à lier le travail et l'agréable, quoi. Et le plaisir. Et le plaisir. C'est ça le terme, je pense. Non, c'est lier le truc à l'agréable. C'est quoi le truc? Ouais, vas-y, cherche encore. Bon, bref. Non, c'est l'agréable, c'est pas le plaisir. Mais ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire, t'as raison. T'as raison. Tu as raison. Tu as raison. Écoutez bien, ça je vais lui mettre. Tu as raison. Mise souvent qu'elle a raison, qu'elle abuse. Quoi qu'il en soit, bah écoutez, on part au taf et on se dit à plus tard.